Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est Rasuper, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des familles. Aujourd'hui, Forza Horizon 4 PC, c'est la démo bien évidemment, le jeu sort à la fin du mois mesdames et messieurs. Et aujourd'hui on se retrouve dans ma petite Ford Focus RS, Pouf YouTube. Mais pas pour n'importe quoi mesdames et messieurs. Je ne sais pas si vous avez vu mes dernières vidéos, mais j'ai eu des soucis ici et ici. En fait, il se trouve que au niveau de la démo, j'ai fini toutes les courses qui sont disponibles pour le moment. Donc pour info, au niveau de la démo, on n'a accès que ici. Et le jeu, du coup, m'a débloqué de nouvelles voitures et m'a également débloqué de petites options sympas. Alors pour information, il n'y a pas de mode de sauvegarde sur la démo. Donc si je coupe mon jeu, j'ai tout à refaire. Donc je suis pas très motivé à couper le jeu pour tout refaire vu que j'ai dû jouer peut-être 5 heures maintenant. Donc je suis en train de vous faire un maximum de vidéos sur tout le contenu dispo pour le moment sur la démo. Comme ça, ça fera des petites vidéos en attente que le jeu final sorte. Et normalement j'aurai le jeu fin septembre, ce qui me permettra de vous bombarder tout ça début octobre avec du coup peut-être ma petite RS6 et un petit peu ce que vaut le jeu. On va faire comme The Crew 2. Donc n'hésitez pas à venir sur twitch.tv/monsieurrasuper pour voir bien évidemment tout ça en direct. Donc on va s'occuper un petit peu des missions secondaires. Et j'adore cette voiture au niveau du pot d'échappement, c'est un délire. Et on va donc aller du côté du drift et du côté du radar. Alors pour information, on est sur une démo. Ce qui veut bien évidemment dire qu'il y a des choses qui sont dispo, il y a des choses qui seront dispo plus tard, mais qui ne sont pas dispo pour le moment. Attendez, donc j'ai carrément merdé mon virage. Ce qui veut dire que ça sert à rien de trop jouer à la démo, parce que de toute façon, par exemple, je vais peut-être vous dire, ah, on peut pas faire ça, et en fait, on pourra le faire après. Voilà, j'ai vraiment merdé mon truc. Attendez, on va essayer. On va essayer. Voilà, on va essayer de se faire le radar. Alors, là, le but, c'est de se faire le petit radar des familles. Ah ouais, c'est toujours aussi compliqué. Ah putain, c'est moche. 79. Je pensais que j'allais peut-être réussir à le passer à plus de 100 km. En fait, je vous explique. Là, on est sur un passage de virage assez complexe où, comme dans The Crew, on doit faire un max de points en faisant du drift. Et après, on doit se faire flasher. Voilà, donc au début, là, c'est le flash. Garder une vitesse constante, une sorte de radar tronçon qui fait une moyenne de votre vitesse entre un point A et un point B. Le but étant d'être le plus élevé, bien évidemment. Enfin, dans le jeu vidéo, hein, pas dans la vraie vie. Et après, on a un petit peu plus au-dessus, un passage de drift, comme sur The Crew 2. Et je me suis dit que ça pouvait sûrement vous intéresser. Étant donné que sur The Crew 2, j'adorais faire du drift. Je prenais beaucoup de plaisir, même si j'étais assez mauvais. Et comme c'est dispo dans Forza Horizon 4, je vous présente un petit peu tout ça. Donc, histoire de vous présenter un peu l'idée. D'abord, on a un radar tronçon qui est signalé par deux radars où je dois faire plus de 89 km/h si je veux avoir 2 étoiles et plus de 113 si je veux avoir 3 étoiles, ce qui est assez complexe pour le moment. Et après, il y a le mode drift où là, je dois faire plus de 50 000 et plus de 90 000 pour avoir 3 étoiles. C'est juste que pour le moment, c'est un peu la galère. Alors après, il n'y a rien qui dit... Aïe. Si vous voulez, il n'y a rien qui dit que j'ai le niveau pour le faire. Mais comme c'est dispo, je m'étais dit que ça pouvait être sympa de vous montrer ça. Après, peut-être qu'il faut mieux tuner sa voiture. Là, pour le coup, j'en ai aucune idée. Et je pense qu'on manque peut-être de puissance. Vous avez atteint. Ouais, ok, donc ça passe pas du tout. On manque très clairement de puissance. On va aller un petit peu au niveau du drift. Et on va aller voir si on s'en sort pas mieux au niveau du drift. Le but du jeu étant de faire un maximum de points.
Je sais pas si on peut faire demi-tour. Je sais pas comment les mecs ils font. Est-ce qu'on peut refaire demi-tour? Ah ouais, d'accord, c'est bien fait en plus. Ok. Tu peux pas faire demi-tour et te barrer en fait. T'es obligé. On va essayer de bien le refaire. En fait, t'es vraiment obligé de suivre une logique. Ce qui est logique, mais peut-être qu'on aurait pu, vous savez, tricher un petit peu et refaire quelques virages. Voilà, on essaye. C'est con, on va essayer en vue première personne. Peut-être que je vais y arriver un peu mieux. Ouais, pas trop. Après, je pense que là, les mecs, ils sont en drift. C'est vraiment très léger, on est vraiment pas bon. On va voir si avec une autre voiture. On va voir si avec une autre voiture pour faire du drift on s'en sortirait pas mieux. Après peut-être que c'est un passage difficile, c'est peut-être pour ça que je galère. C'est con, on va essayer avec la Lancia. Donc on peut se faire livrer la voiture directement sur la position, ce qui est pas mal. Et les voitures que vous avez juste avant, c'est les voitures que j'ai dans mon garage. Bon, on va voir ça ce que ça donne, j'ai jamais testé. Bon, déjà ça fait un petit bruit assez sympa. Ah, peut-être. Bon, ça manque peut-être un petit peu d'accélération. Bon, ça fait quand même qu'une étoile. C'est ultra complexe à faire, hein. Cela dit, cette voiture, c'est pas mal. Il y a un petit côté K2000, mais de loin. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait qu'elle est noire, comme ça, avec des petites ailes et tout. Attendez, on essaye. Par contre, j'aime bien le bruit. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ouais, ou peut-être que je maintiens trop fort le frein à main. Je sais pas du tout. Là, elle galère pour la montée. Allez, champion! Ouais, ça manque de patate sur les reprises. Je pense pas que tu puisses garder ta vitesse dans un virage. Tu perds forcément avec le frottement. Tu perds forcément avec le frottement, je pense. Vous avez atteint votre destination. Bon, celle-là, elle manque très clairement de puissance, hein. C'est quoi? On peut essayer avec la Mitsubishi, je pense. Je vous dis, on va tester le drift. Avant, on avait testé les excès de vitesse. On va tester le drift. On va voir ça, sinon, avec la Mitsubishi, on va voir ce que ça donne. Elle, elle est bien puissante. Mais peut-être que pour le drift, ça va être compliqué. Voilà, là, on est sur quelque chose de sérieux, là. Ouh, 92, nouveau record personnel, mesdames et messieurs. 2 étoiles. Oh punaise, on l'a fait. YouTube, on l'a fait. Ah, c'était... Honnêtement, c'était pas facile. Je pense que les 113 km/h ne passeront pas, mais YouTube, vous voyez comme quoi ça valait le coup d'insister. Parce que j'ai réussi à faire les 2 étoiles. Pensez à mettre un petit like et n'hésitez pas en commentaire à donner des conseils. Mesdames et messieurs, on va essayer de retenter en montant. Et après on ira voir au niveau du drift un petit peu ce qu'il y a moyen de faire. Mais au niveau du drift, je sais pas trop ce qui ramène des points. Du coup voilà quoi. Mais bon, déjà on voit qu'au niveau de l'accélération,
Ah, c'est archi violent. Allez. Ah. Ouais, compliqué. Ouais, et 22 km/h, j'arriverai pas à les faire en plus. On va essayer d'aller voir au niveau du drift. Enfin, ouais, du drift. Là, c'était petit flash radar. Ah, il abuse. Bah ouais, je me suis dit peut-être que si je la fais donuts, ça me rapporte des points. Et c'est vraiment monstrueux comme voiture ça. Subaru. J'ai peut-être dit Mitsubishi Lancer Evolution, je sais pas, je confonds sur les deux. Petite Subaru. Subaru Impreza. Vous avez atteint votre destination. Merde! Échec! Non mais vous avez vu ce qu'il faut faire? Ouah, faut faire 50 000. Voilà, ça me paraît impossible. Je pense qu'au niveau actuel où je suis dans le jeu, faire 50 000 là-dessus, ça va être muchos complicado, hein, vous voyez l'idée? Ça va être muchos complicado, je pense. Faites demi-tour dès bon. Que possible. On va aller sur un autre spot. À 400 mètres, tournez à droite. Mais je sais même pas en fait comment tu peux drift pour 100 000 points ici. Ah. Ok. Tournez à droite. Ouais. Ouais, faut une voiture préparée, je pense, pour faire ça. Faut une vraie voiture préparée. Voilà, on est du bol. 400 mètres, tournez à gauche. Faut une grosse voiture prépa. Tournez à gauche. Ouais. Faut de la bonne grosse bagnole préparée parce que sinon tu driftes pas assez, tu fais pas assez de points. Voilà. Désolé. Allez, là on va se faire flasher. Fallait peut-être passer à 200. Attendez, on va voir. Fallait passer à combien là? À 201. Non, bah écoutez, parfait. Ça c'est fait. Et là, du coup, on va... sur le petit spot de drift. Alors, il y a un peu de cailloux. Peut-être que ça va drifter un peu mieux, on verra. Voilà. C'est bien nul ce que j'ai fait là, non? Vous avez atteint votre destination. C'est tout! Attendez, j'ai même... On va se remettre comme... Je crois que j'ai même pas réussi à faire le premier niveau. Oh, 7000, attendez, on refait les gars. Alors c'est sûr, c'est différent quand il n'y a pas les abonnés qui m'aident. Hein. Mais je pense que 7000...
avez atteint votre destination. Oh, pas mal, j'ai fait 22 000. En fait, ce qui, je pense que c'est comme sur The Crew, il faut réussir à garder le drift pour faire du drift. Donc en fait, il faudrait que je m'entraîne à essayer de garder mon drift tout le long. La question est, comment garder son drift sur Forza Horizon 4? On va essayer avec une autre bagnole, vous savez quoi? Peut-être une Escort RS. On va voir si ça passe. Mais je pense que c'est ça, à mon avis, c'est comme sur... C'est comme sur The Crew 2, pour faire du drift. Waouh. Allez, go. Drift. Vous avez atteint votre destination. Vous voyez ce que je veux dire? Fois 5, fois 2,6, fois 2,7, fois 2,8, fois 2,9. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut faire. 32 000, c'est pas mal, non? Ah, je devais le faire uniquement dans la zone, je pense. Je pense que c'est comme ça qu'on doit faire. Faut réussir à garder le... Merde. Faut réussir à garder le drift, je pense. On va essayer avec cette petite Ford... Je crois que mes parents avaient ça quand j'étais plus jeune. Pas la version WRC, hein. J'ai fait combien? Oh, 2 étoiles! Mesdames et messieurs! Là, je pense que... Honnêtement, je pense que parmi vous, personne n'aurait pensé que j'allais faire les 2 étoiles. Bah écoutez, à force de persévérer, mesdames et messieurs, c'est passé. Du coup, on a fait quasiment 30 000 points uniquement dans le virage. Ça fait plaisir. Écoutez, avant de se laisser, on va aller voir vite fait ce que c'est le cheval blanc, là. Tour dès que possible. Bon, passe là, on s'en fout. On va vite fait aller voir ce que ça donne. Et j'ai tellement hâte que le jeu sorte pour m'acheter une RS6. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez atteint votre destination. Oh, vous avez vu, il y a un truc dessinant le champ. Oh, pas mal. C'est le cheval blanc d'Huffington. J'imagine qu'il existe dans la vraie vie. Vous irez voir sur Wikipédia, vous nous direz en commentaire. Je pense qu'on est sur un... Le cheval blanc d'Huffington. Ce truc est incroyable. C'est le premier relevé de puissance préhistorique. Un cheval. D'accord, donc c'est un cheval avec des dents qui a été dessiné, j'imagine, il y a des milliers d'années, voire des milliards, des centaines de milliards de milliards d'années, fait par les ovnis, et voilà. Bah écoutez, c'est cool. Sur The Crew 2, on a ça aussi. Mais j'avoue que... C'est une bonne idée. Bon, écoutez, YouTube. Waouh, le saut. Au niveau de l'IA, c'est un délire. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, YouTube, je compte sur vous pour liker cette vidéo, vous abonner. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Ce sera donc fin septembre. Parce que donc, là, je vais couper la démo. Et comme je n'aurai plus de sauvegarde, je n'y rejouerai pas avant que le jeu final soit sorti. Bref, on se laisse là-dessus. J'espère que ma série de vidéos sur la démo vous a plu. Comme je vous l'avais dit, j'ai bombardé la démo, j'ai essayé de faire des vidéos sur tout ce qui était possible. Donc je pense qu'on a fait le tour maintenant, étant donné qu'on a montré toutes les courses, quasiment toutes les voitures que vous pouvez débloquer. Les voitures sont tous très cool, magnifiques. Enfin bref, je vous laisserai aller voir mes vidéos pour ceux qui s'intéressent. Bref, normalement,
fin septembre, on a ça qui sort, donc le 28 septembre. Donc je vous donne rendez-vous vers le 28 septembre, mesdames et messieurs, pour la version Ultimate de Forza 4. Et donc j'aurai plein de choses à vous présenter, ça va être top. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner, c'était Rasuper. Et rendez-vous, mesdames et messieurs, dans quelques semaines pour la sortie officielle du jeu Forza Horizon 4. Bisous YouTube, bon courage pour le boulot, pour l'école. Tchou tchou! Et pensez à regarder Instant Gaming pour précommander le jeu pas cher. Salut YouTube!